Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver pour du No Man's Sky l'épisode 4. Et donc je continue de scanner pour l'instant les choses environnantes. Ok, on est à 300 mètres du vaisseau. Donc ils disent de prendre du carbone, on va prendre du carbone pour leur faire plaisir. On va avancer un peu. Alors j'aimerais bien me faire le lance-foudre également, les amis. Donc il me faut 3 nanotubes de carbone et du métal chromatique. Alors on va déjà recharger ça. Voilà, ça c'est rechargé. Bon bah on est parti les amis. On va décoller. Je regarde vite fait un petit coup de scan par là avant. Pour voir s'il n'y a pas des bâtiments. Non, apparemment. Bon. Voyage interstellaire. La carte Galactis propose de nombreuses informations sur les systèmes stellaires proches. Parcourir les systèmes proches, trajectoire disponible, ouais, carburant de distorsion, ok, donc on fera ça après. Là, c'est la base qu'on était. Il y a une planète que j'ai pas explorée. Je sais pas si c'est celle-là. Ah, non découvert, ouais. Celle-là, on va regarder ce que c'est. Planète ardente. Donc, il y a que du feu là-bas. Solanium, ossentien, cuivre, phosphore, ferrite magnétisée. Ok. Donc, pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Donc bah on va partir dans la carte galactique. On va regarder un petit peu où c'est qu'on est. Ah ok. Donc faut qu'on aille là-bas. Apparemment. Bon bah c'est parti, on va là-bas. années-lumière. Ouais, c'est très loin. Allez, on va voir cette... ce système, donc race viking, économie et conflit, on sait pas. On sait pas ce qu'on trouvera là-bas. Allez, let's go! Voilà, nous sommes arrivés. Alors, c'est pour scanner. Planète envahie par la végétation. Hyperpropulsion. Erreur. Carburant de distorsion épuisé. Ok. Alors on va accepter. Donc on trouvera là-bas des bulbes d'étoiles, cuivre, paraffinium, ferrite magnétisée et sentinelle agressive encore. Ouais, ça c'est pas vraiment super. Alors ici, on a quoi? Elle est très grosse cette planète. Planète ossifiée, cuivre, or, argent. D'accord, donc là tout ce qu'on a besoin se trouve ici en fait. Cuivre, or, argent, c'est vraiment pas mal. Par contre, suivre le signal. Ah, il y a encore une planète ici, ok, c'est très grand. On découvre. Ah, bah c'est celle-là que j'ai scannée tout à l'heure.
Là, on a la station spatiale. Bon, écoutez les amis, je vais d'abord aller à la station pour vendre les bulbes et tout ça que j'ai pris là-bas. Les noyaux larvaires coûtent 200 000. Je vais déjà revendre tout ça. Puis aussi, on va pouvoir parler aux gens qui sont là. Comme ça, on va apprendre un petit peu la langue des vikings, des geeks. Toi. Commerce, ouais, agression. Ok. On va demander de l'aide. Commerce. Alors on va lui donner une relique, Geek. Comme ça, ça augmente l'estime, Geek. C'est pas trop mal. Alors, donc, on va vendre, les amis, les choses qu'on a trouvées. Et on va garder cobalt également. Alors, on va vendre les noyaux larvaires, 280 000. Alors, on passe à 1 million 2. Ça, c'est bien. Étoile ossifiée, franchement. Pour l'instant, on s'en fout, hein, clairement. Au pire, on reviendra sur la planète, on récupérera des choses comme ça. Un fragment de cristal. Ça c'est pareil. On va vendre. Ok, ça c'est bon. Donc toi, qu'est-ce que t'as à nous dire? Non, il veut même pas ce bâtard. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Nanite. Toujours essayer. Ah merde. Classe A. Ah oui, quand même. Ça, ce serait vraiment top. On est à combien là? Et en plus, on peut l'acheter. Ce serait vraiment classe. Donc je vais peut-être démonter tout ça, tout ce que je possède sur le mien là, pour pouvoir échanger celui-là. Il vaut que 775 000 unités. Donc on pourrait l'échanger au pire. Parce que le nôtre, il est vraiment pourri, c'est un classe C, il n'y a pas beaucoup de cases. Et là, c'est quand même un 10 cases au lieu de 6. Donc je vais peut-être le prendre. Donc on va démonter ça. Alors, démonter. Est-ce que je peux le récupérer, lui? Bizarre. Lunettes holographiques. Démonter. Déplacer.
Ah merde, fais chier. Obligé de le démonter pour le remonter après sur l'autre. C'est un peu con ça. Lunette holographique. Bon, bah pas le choix. Donc comparer. Ouais, on prend. Parfait. Et dard ardent, c'est quoi ça? Accessoire d'armes offensives. J'ai, ouais. Ok, donc on réinstallera ça. Ah bah je l'ai. Ça c'est bon. Mais on va installer le lance-foudre. Par contre, ce qui m'embête, les amis, c'est que j'ai perdu mon viseur holographique. Donc ouais, c'est vraiment dommage, hein. Je peux plus revoir le viseur. En plus, c'était une technologie S, donc quand même. Chier. Donc on va augmenter d'une case l'emplacement. 10 000 unités, ok. Bon bah on part. Tant mieux, on a trouvé un nouveau multi-outil. Il a l'air pas mal, mais le problème c'est que maintenant on n'a pas le scanner qui nous faisait payer énorme là. Ah, on va avoir droit à un petit combat spatial les amis. Ouais, c'est pas plus mal. Ça va nous entraîner. Ils sont où? Vaisseau ennemi en approche. Ok, parfait. Bon bah on va retourner au signal là-bas. Alors voyons voir ce que c'est comme planète. Alors on va atterrir là. Par là-bas. Il faut se méfier aux sentinelles, hein. C'est ça. Ok, c'est par là-bas qu'il faut aller. Oula, ouais. Pas mal de pierres de savoir, on va pouvoir apprendre pas mal de mots. Alors. Jeu en viking, ok. Ouh.
Et en viking. Ok. Bon, on va activer ça. On va dire voyageur, c'est comme ça qu'il m'appelle depuis tout à l'heure. Premier ou dernier? Bah, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dire premier? Pourpre, ouais. On l'a vu, c'est l'antimatière, je crois, qui parle. Non? Trouve-nous, voyageurs. Il m'attaque. Ça c'était chaud. Technologie rechargée. Donc on va recharger l'hyperpropulsion. Et là, qu'est-ce qu'il fallait pour installer ça? De l'oxygène. Ça donne 10%, ok. On va pouvoir l'installer, mais il faudrait trouver de l'oxygène maintenant. Ok, donc il y a les sentinelles. Bon, on se barre. On va se barrer, les amis. Bâtiment inconnu. Ok, on va y aller, voir. Ok, donc qu'est-ce qu'on doit faire là? Guide d'exploration. Alors faut appuyer sur X pour trouver. Ouais. Faut qu'on avance dans le dans la galaxie en fait. Donc on va aller au camp de mineurs d'abord, je pense. On va se faire ça en premier. Okay, bah on peut atterrir en plus gratuitement, on va en profiter. Ok, donc on a pas mal de choses à fouiller.
Classe B. Ouais. Donc le mien est... doit être mieux quand même. C'est un 9 cases. Ouais, le mien est quand même beaucoup mieux. On va pas le prendre. Donc Aerox, on va vendre. L'Emium, c'est pareil. Alors toi. Ok, il nous remercie. Module d'amélioration. Donc il nous a donné ça. Et c'est quoi? Système de survie. D'accord, bah on va l'installer. Réservoir du système de survie. Ok. Donc ça, on s'en fout un peu. Processeur ici, gel de survie, on va l'utiliser. Laser d'extraction avancée, ah c'est ça qu'il me faudrait, ce serait tellement bien. Puis classe A en plus, allez on va le prendre. 75 nanites, alors ça c'est pas mal aussi, on va l'acheter. Ok, parfait. Crédité, ah ouais quand même, parfait. Ok, alors donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, faut retourner dans l'espace. Donc bah, on y va les amis, on va se transférer dans un autre système. Ah, un signal. Alors on va s'identifier. Coordonnées reçues. D'accord, on a des coordonnées. Voyager jusqu'aux coordonnées reçues. Ok. Et c'est où? Ah, c'est là. Bon, on y va. On va aller voir.
doit y avoir des radiations ici, par contre. Ok, donc ça serait par là-bas. 300 et quelques mètres. Par là-bas. Protection radiation défaillante. Inventaire plein. Oula, il y a un vaisseau là-bas. Passe derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Ah ouais, c'est un gros vaisseau en fait, hein. Rechargeur de système de décollage S. Putain, ouais. Comparé au mien, on a que 15 cases. Lui, c'est un 28. Classe A. Puissance du bouclier, ouais. Beaucoup plus de bouclier. Portée d'hyperpropulsion. Beaucoup plus. Par contre, les dégâts ont fait un peu plus que celui-là. Mais waouh, il est trop classe. Ah, il faut du tritium pour réparer ça. Donc de toute façon, il faudrait qu'on répare ça. Ouais, il faut réparer le pulso-réacteur. Propulseur de décollage. Bah ça, c'est bon. On peut déjà décoller. C'est le pulso-réacteur. Donc il me faut un seau hermétique. D'accord. Hyper-propulsion. Il m'en manque un en microprocesseur. Bouclier, bah on peut le réparer. Canon à photons, on peut pas encore. Et puis après, il faut réparer toutes les cases. Mais franchement, ouais, c'est quand même valable. Bah, on va le réclamer. On va le récupérer, les amis. On va réclamer ça. Donc, ouais, il faut réparer le pulso-réacteur. Ça, c'est clair. Donc, plaquage métallique, ouais. Produit construit. On va déjà mettre le plaquage. Maintenant, il me faut un seau hermétique. Donc, il va me falloir du tritium pour faire ça, d'accord. Bouclier déflecteur. Donc, ça, c'est bon. On peut le réparer, déjà. On a du nitrate de sodium. Donc, 13. Ça, c'est bon. On va mettre 50 métal chromatique. Voilà, donc le bouclier, on est bon. Et donc maintenant, il me faut le seau hermétique. Il faut que j'en trouve un. Donc, seau hermétique, on peut en construire un apparemment. Et voilà. Parfait. Et donc voilà, les amis, le vaisseau est à nous. On l'a réparé. Donc le bouclier, on est bon. Propulseur de décollage, on est bon. Ça aussi. Donc, ce qu'il faut réparer, c'est ça. Donc, il faut aller dans l'espace avec. Donc, il faudrait réparer toutes les cases ici qu'on a. Malheureusement, on ne peut pas tout réparer d'un coup. Ça demande beaucoup trop de choses. Donc là, il me faudrait de l'or, ferrite pure, d'accord. Cuivre activé. Ouais. Il faut des ressources, un petit peu de tout.
En technologie, ouais, c'est pareil. Il faudrait qu'on répare ça également. Donc technologie, il faudrait qu'on répare ça. Il faudrait qu'on installe ce truc. Ça serait pas mal. Et ça, c'est quoi? Lance-roquette. Ok. On va l'installer pour plus tard. Donc c'est parfait, hein, les amis. On avance bien. On a eu notre, notre multi-tool classe A. Donc on a augmenté un petit peu le nombre de cases également. Laser d'extraction avancé. Donc ça, il va me le falloir. Donc il me faut un seau hermétique, nanotube et un autre câblage. Ok. Donc un seau hermétique, nanotube. Et il me faudrait un autre câblage que j'ai pas. Est-ce que je peux le créer? Pas sûr. Ah, je peux pas créer du câblage. D'accord, donc il manque du câblage. Ok. Donc on peut décoller avec, mais sauf que là... pour l'instant, c'est un peu dommage de décoller. On va attendre un petit peu. Ça, c'est quoi? Dalle chromatique, sodium. On va extraire. Artemis, qui que ce soit, il n'est plus ici depuis longtemps. Souffle destructeur. D'accord, on apprend ça pour le multi-tool. Ok. Ok, ça marche. Ok, donc avec notre nouveau vaisseau qu'on a trouvé, les amis, ça c'est vraiment bien. Un classe A en plus. Donc bon, après il fait pas beaucoup de dégâts. Après, une fois peut-être qu'il va être réparé, c'est possible que on fasse plus de dégâts que celui qu'on avait. Donc faudrait que je ramène mon ancien vaisseau juste à côté pour pouvoir échanger. Je sais pas si on peut l'appeler ici. Celui-là. Voilà, donc là on a les deux vaisseaux, les amis. Donc est-ce que je récupère le matos qu'on avait dessus? Métal chromatique, ouais, peut-être. Je vais le prendre. Ça, je vais prendre ça. Ouais, je suis vraiment full hein, de partout. Je sais pas trop où c'est, je vais mettre tout ça. Ouais, ça m'embête. Ferrite pur, nitrate de sodium. Là, il faudrait du tritium. Ok, donc j'ai mes deux vaisseaux ici, les amis. Bon, bah, on va clôturer l'épisode ici. Hein, c'est fini pour l'épisode 4. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, voilà, on va essayer de reprendre des nouveaux vaisseaux, comme là, on vient de faire. Hein. On va essayer d'en trouver partout sur la map. Donc ça, c'est notre nouveau vaisseau. J'espère que ça vous aura bien plu, en tout cas, cet épisode. Donc on progresse gentiment, mais sûrement. Ce qu'on a perdu, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est l'amélioration en S, là, pour le scanner. Quand on scannait les animaux, on se faisait environ 177 000 en unité, en argent, on va dire.
Donc c'est vraiment dommage. Et maintenant, on se fait quoi? À peu près 1000 quand on scanne des animaux. 1000 unités. Donc c'est vraiment... C'est vraiment que dalle. Et ça, c'est bien dommage. Donc, bah, mettez des likes, des commentaires pour voir si ça vous plaît. Et puis, bah, on essaiera de looter un cargo et tout ça par la suite. Donc, suite au prochain épisode, les amis, on se déplacera dans une nouvelle galaxie prochainement. On rechargera l'hyperpropulsion. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye.